Ouais, c'est sûr que la victoire a fait du bien pour tout le monde. Après, ouais, c'est un match qu'on a mérité de gagner. Sur les derniers matchs, on restait sur des performances un peu demi-teinte, surtout offensivement. On ne se procurait pas beaucoup d'occasions. Donc on a vu qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions. On n'a pas réussi des fois à la mettre au fond, mais voilà, on est récompensé par cette victoire à la fin qui fait énormément du bien et voilà, à nous de continuer sur cette lancée. Ouais, c'est sûr, on est resté peut-être sur l'euphorie, on n'a pas passé autre chose. Et voilà, cette égalisation qui arrive une minute après ou deux minutes, ça arrive très vite, ouais, deux minutes. Donc voilà, mais bon, on n'a pas lâché, on a continué d'attaquer. Après, on s'est procuré, comme je vous ai dit, au moins 3-4 occasions avec 6. Nestor qui a la tête sur la ligne. Et après, voilà, comme je vous ai dit, on n'a rien lâché et on avait à cœur de gagner ce match pour nous éloigner vite de la zone rouge. Il ne faut pas croire que ça y est, tout va rouler, il suffit d'être sur le terrain pour gagner. Il faut s'investir à 100% au quotidien. Et puis voilà, comme tout à l'heure je l'ai dit, comme par hasard, on fait une bonne semaine d'entraînement. On met tous les ingrédients pour et on est récompensé le week-end. Donc il faut garder ça et se préparer bien la semaine, au quotidien être à 100%. Et la finalité, c'est le week-end, c'est pas le contraire.